C'est une audience qui s'inscrit dans le cadre des charges dévolues à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, B2AC. Il s'agit donc de présenter aux chefs d'État des pays membres de la CEMAC le fonctionnement et la situation de cette institution financière au cours de ces dernières années. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son hôte, Fortunato Ofa Mbonchama, ont également évoqué la coopération entre le Gabon et la BDAC. Il était question de passer en revue la coopération entre la BDAC et la République gabonaise, une coopération qui s'est accrue au cours des dernières années. Et aujourd'hui, le Gabon a un poids de 25% sur le portefeuille total de la BDAC. Et enfin, recevoir les très hautes orientations de son Excellence le Président de la République sur ses attentes en matière de fonctionnement de la BDAC et les projets qu'il tient à cœur pour le développement du Gabon afin que la BDAC puisse apporter son financement, ce qui a été fait et nous sommes heureux d'avoir été sollicités pour que nous puissions continuer à contribuer dans le développement de la République gabonaise. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a vu le jour en 1975. En 2020, par exemple, dans un contexte économique rendu difficile par la COVID-19, le Gabon a bénéficié d'un financement de cette institution dans le but d'accompagner les PME gabonaises dans le développement de leurs activités.